Si vous trouvez ce moment le bien, vous écoulez des jours heureux. Les gouttes d'eau.
Ils chantent encore.
Marès, qu'est-ce que t'es devenu? On m'a dit qu'autrefois, t'étais un inconnu. T'as vécu la prison au titre d'utopiste, perdu la liberté pour que la nôtre existe. Et toi, dis donc, Marès, qu'est-ce que t'es devenu? On aurait bien besoin d'être un peu soutenu. Qu'il plaise à ton fantôme de venir nous visiter, de venir nous apprendre le goût de s'insurger. Je me noie, je me noie,
mouvement de violence. Je cherche un réverbère. Dans cette salle, n'hésitez pas quand même.
Est-ce qu'on vous mettre sur tous les réseaux sociaux? Il y a cette fille derrière. Non. On va vous parler d'une petite goutte d'eau qui devient fleuve, qui devient mer. Ce serait trop con.
désolé pour le petit plantage. Je te ferme la table. Très discret. Et comme j'essayais de m'arrêter à tous les thèmes, c'était... à la basse.
également à la guitare à six cordes. À quatre cordes, ça, c'est plus simple. Donc Steve, tout à l'heure, a parlé du temps. Maintenant, si on va parler du temps. Temps qui passe aussi. Hein, passe. On a vraiment réfléchi à la notion du temps. Au Café des Augustins, parce qu'on n'avait pas Saint-Augustin avec nous pour réfléchir sur le temps. Oui, pardon. Parce que le temps, c'est un peu comme le café. Ça passe. Ah. Avec 4 ans, des jeux de mots. Ah non, elle est bonne, elle est bonne. Qu'est-ce que je peux mettre là-dessus, moi? Donc, c'est un morceau à 4 temps. Et tout à l'heure, juste avant le concert, j'ai sorti une vanne hilarante. C'était qu'on s'était habillés tous les deux en noir, parce qu'il fallait deux noirs, pas blanches. Dis-moi, mamie, quel temps fait-il? Fait-il présent ou bien pleut-il? Et le passé, que nous fait-il? Est-il des volubiles? J'ai des problèmes avec le temps, il ne veut pas tenir en place. Si je m'inscris au temps présent, le temps d'après a pris sa place. Fait-il présent ou bien pleut-il? Et le futur que nous fait-il? Est-il aveugle ou bien civil? Si le présent devient passé, dans le présent qui nous arrive, c'est que l'avenir est au passé et ma pensée à la dérive. Et cette horloge, elle sert à quoi? Est-elle sur tic ou bien sur tac? Si elle bat le temps, et c'est pourquoi? Temps fait-il présent ou bien pleut-il? Et le passé que nous fait-il? Est-il des yeux volubiles? Mamie, à quel temps veux-tu être? Le participe te va si bien, et je dois bien le reconnaître, tu le remplis de mille rien. Cette chanson décomposée sur une des mesures à trois temps, fait-il présent ou bien pleut-il? Et le futur que nous fait-il? Est-il aveugle ou bien subi? Si le présent est un cadeau, alors ouvrons-le maintenant. Ne remettons pas à tantôt la belle offrande de l'instant. Cette chanson, moi, je vous l'offre dans ce moment que vous vivez, comme un tempo qui réconforte, comme un éphémère bouquet. Cette chanson, moi, je vous l'offre dans ce moment que vous vivez, comme un tempo qui réconforte, comme un éphémère bouquet. C'est sympa aussi.
un centre-ville, super. La IJC, un logisque, Agdar. Et puis le faubourg de la ville, du béton. Et on y croise des fois une toute petite brindille. C'est cette petite brindille qui va peut-être faire quelque chose. Dans les faubourgs de la ville, au milieu des hommes marchands, des neuf la quelques brindilles, sont tentés en résistance. Au pied de goudron, les vapeurs d'automobiles, aérosol et l'horizon. Allez, dis la fleur, il est temps, n'attendons plus, il est si tard. Si tard. Laissons venir le vent d'automne pour le matin de ce grand soir. Le vent qui griffe les cimes.
me couche, les herbes arrachent des cimes. Il est triste et superbe, il vante, c'est ça, il se vante d'être le maître des choses. Mais à mes âmes errantes, musicien virtuose. Le vent qui ridule les rivières, vague les océans, qui ouvre les fenêtres dans les nuages blancs. Le vent, il effeuille les arbres dénudes, les tiges saccagent macabre. Il courbe, il érige, il vante, c'est ça, il se vante d'être le maître des choses. Vers les âmes errantes, musicien virtuose. Transporte les braises, embrase et maîtrise, il bémol et il dièse. Le vent, il se fait frisoli, il se fait ouragan, il se fait mélodie, il colporte mon chant. Il vante, c'est ça, il se vante d'être le maître des choses. Il a les âmes errantes, musicien virtuose. Courbe le cyprès, souffle les froids, le chaud, brute mes nuits d'été. Le vent. L'autre musicien qui bouscule, ballotte dans les tous et les riens. Il s'invente des notes, il vante, c'est ça, il se vante d'être le maître des choses. Il y a les âmes errantes, musicien virtuose. C'est l'histoire de ma vie, mais peut-être l'histoire de la vie d'un certain nombre d'entre vous. Voilà, il y a eu un certain nombre d'élections depuis que j'ai le droit de voter. Et il se trouve que j'ai toujours été minoritaire. Et voilà, ça m'apprendra. 1, 2, 3. Électron libre, un d'éphémère, en équilibre sur une seule aile, et le jour de ma majorité, moi j'ai refusé mes 18 ans, j'ai pris ma cul, la liberté, et je suis devenu Peter Pan. Jean Moulin.
suis fatigué, et je fais le vide de kérosène, et j'essaie de pouvoir m'emmerder. Et dans ces rares moments néants, je sens tous ces riens qui m'inondent, j'entends l'écho de tous les gens. Moi je veux pas être monsieur tout le monde, monsieur tout le monde. Thank you.
c'est une chanteuse de rock avec beaucoup de soucis. À la fin, je sais pas comment ça va terminer, minoritaire. Et maintenant, Tilawen en rock. Donc, je vous retrouve dans la salle. Bon, du morbillard, mais bon. C'est bien déjà, quand même. Non, mais l'effet. Morbihan, c'est vrai breton. Vrai breton, c'est Morbihan, Finistère. Côte d'Armor, éventuellement. Il est vilaine, ses limites. Il est nantais, alors là. C'est pas des bretons. Pardon ? Et donc, c'est une chanson qui s'appelle Tilawen, mon tube. Donc, ti, ça veut dire la maison. La wen, c'est la joie. Donc, la maison de la joie, qui se trouve être la maison de mes parents, en Bretagne. Je pense que j'ai dû y vivre un certain nombre de moments heureux. Maison de mes 5 ans, de mes 10 ans, de mes tout le temps, c'est la maison de mon enfance. C'est la maison de mes 20 ans, de mes 30 ans, de mes 100 ans, c'est la maison de mon enfance. Tu la trouveras chemin faisant, tu la trouveras chemin montant, entre cyprès et troène. Première fois, mes lèvres ont lancé un « je t'aime ». J'ai tenu les mains à une fille, que c'était sûr, c'était promis, elle serait pour toujours ma reine. Ça se passait chemin faisant, ça se passait chemin montant, entre cyprès et troène. Chambre des garçons que j'ai récité la leçon qui fait que l'on sort de l'enfance. Ça se passait chemin faisant, ça se passait chemin montant, entre cyprès et troène. De partance. J'étais le vent, j'étais la bruine, j'étais les humeurs crachines que vivait mon adolescence. Ça se passait chemin faisant, ça se passait chemin montant, entre cyprès et troène. De ma vie avec un prénom de fille qui habite ce lieu de terre. C'est que tu es chemin faisant, c'est que tu es chemin montant entre cyprès et troène. De l'île d'Yoc au sémaphore, de la Salle Verte jusqu'au port, de Saint-Ludoc à Saint-Laurent. Il y a qui nous joue les troubles fêtes, la plus rieuse des mouettes qui semble suspendue au vent. C'est que tu es chemin faisant, c'est que tu es chemin montant, entre cyprès et troène. Tilawen. C'est la maison de mes 5 ans, de mes 10 ans, de mes tout le temps, c'est la maison de mon enfance.
30 ans, de mes 100 ans, c'est la maison de mes vacances. Tu la trouveras chemin faisant, tu la trouveras chemin montant, entre cyprès et Troël. Donc merci beaucoup d'avoir fait cette proposition-là. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc plus que 12 chansons, et c'est fini. C'est comme ça qu'on a dit, hein? Je sais le nombre, il y en a deux, je crois. On attend le retour des cloches. On m'a donné la liste, ça va. On en fait combien encore? Deux? Trois? Non, on m'a donné la liste, fais ta liste, hein. J'ai donné une liste, enfin, tu m'as demandé une liste, mais... on me demande des listes, je te donne des listes. Après, vous aussi. On est bien, non? Oui. On est bien, Laurent. Comment on commence ça? Un, deux, trois, quatre. On répète, hein? Pardon. Ma chandelle est tombée dessus. Voilà, c'est celle que tu joues d'habitude en troisième. Dans la numérotation, à la liste, j'avais mis ce que je pensais. Et ça perturbait Frédéric. À chaque fois, il me disait pourquoi je ne joue pas celle-là. Donc celle-là, elle s'appelle Je n'ai plus peur des mots d'amour. À mon grand âge, je commence à ne plus en avoir peur. Pas mal. Ça marche. Alors, je vais chanter en même temps que toi, Laura. Hein? Deux ré mineurs. Les lueurs d'un jour, je planterai des fleurs, des arbres, des forêts.
C'est beau les gros amours en fait. Vous n'en avez plus peur maintenant. Plus peur. Et donc la fameuse chanson pour conclure. Donc en remerciant d'abord le GISC. Ah, c'est ça qu'on avait dit, Agda. Après, c'est on remercie le GIS qui a fait un super festival, deux jours au Chapeau Rouge. Deux jours au Chapeau Rouge. Où il y avait trois personnes, et puis aujourd'hui, 50 personnes un jour de Pâques. Bravo. Frédéric, t'as un truc à faire peut-être? Non. Non, si tu dis, hein. Donc maintenant vous êtes super chaud, c'est la chanson que vous chantez. Ah, trop bien. Non, on a vachement répété. Il faut vous dire que en fait Frédéric, c'est la première fois qu'il joue avec nous, donc on a quand même pas mal bossé ces derniers temps. On est parti de loin, de Bouillonnac. On est arrivé jusqu'ici, il a fallu reprendre les chansons, essayer de trouver des petites histoires à raconter. Et donc un grand merci quand même d'être venu dans cette galère. Merci à Laura, parce que sans elle, c'est vrai que je ne serais pas grand-chose. Elle me rassure totalement. J'ai l'avantage que maintenant, je peux perdre ma voix sans avoir peur. Je me dis, au pire, elle chantera toutes les chansons. Et ça, je ne peux pas vous dire, mais c'est un soulagement. Merci. Surtout, merci beaucoup à Philippe Mac, à ce qui ne pourrait rien faire du tout, en fait. Et merci à Corentin aussi, qui fait le son. Et merci à vous. Merci à vous. Alors Corentin fait la lumière aussi, mais comme on a joué en plein jour, on te remercie quand même aussi pour la lumière. Deux fois plus parce qu'il a fait l'entière, il a fait le son pour deux artistes. Donc le texte que vous aurez à reprendre, c'est la 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 la. C'est pas gagné. C'est pas gagné, surtout que c'est en ré mineur. Alors, il paraît pas sur le disque. Mais bon, je sais pas pourquoi ils nous ont mis une chanson à. Pourtant, c'est moi qui jouais sur le disque aussi. Moi, ils ont dû chausser le. Enfin, toujours évité que nous, on va faire la 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 en ré mineur. Bon, on va voir. Marie-Bonne, avec toi. La 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 la. Là, c'était OK. Vous êtes prêts? À tout à l'heure. 1, 2, 3. Passer pour un bâtiment.
Merci à vous. Bon, on fait comme on n'a pas dit. C'est un rappel, hein. C'est le public, hein, qui rappelle. Alors, là, Claire, est-ce que tu veux faire un petit discours de fin? Est-ce que tu veux me chanter une chanson? Est-ce qu'on boit l'apéro? Oui, il y a un petit apéro pour ceux qui veulent rester. Encore une chanson, peut-être? Oui. Le chef attend. Pardon? Le chef attend. Le chien fantôme. Oui. Ah oui. Ah. C'est moi, c'est l'air que je ne sais pas. Non. C'est la colère des autres, quand même. C'est quoi les accords? C'est un ré majeur. On répète alors. On n'a pas vu un répète. On l'a fait, fait un petit couplet. Qui c'est qui voulait le chien en fantôme? Fantôme à lunettes, c'est-tu pas ridicule? Oui, longe ma fenêtre, funeste funambule. Quand le mort est si noir que la lune est virgule, il hante mon trottoir de son somnambule. Un fantôme à lunettes, aveugle de surcroît, sans être malhonnête, pas grand monde n'y croit. Voyant sa longue canne blanche qui heurte les battants, coupe la nuit en tranches. Esprit pas trop en vue, qui vous fait peur en braille, qui dit tu n'as pas vu, rejoue le passe-muraille. Dans mes drôles de nuit, un fantôme à lunettes, j'avoue ce qui m'ennuie, c'est le bruit des chaînettes. Un chien qui glisse sous son drap blanc, un fantôme canin, c'est trop plus fréquent. Car c'est comment qu'il fait pour pas manger ses os? Y a des absurdités même chez les molosses. Un fantôme à lunettes qui promène son chien sans être malhonnête, c'est pas trop chrétien. Chiens et loups, ou entre loups et chiens, que soudain tout à coup le fantôme s'éteint. Le lendemain matin, parfois sur la moquette, je retrouve en témoin une paire de lunettes. Y a dans mes drôles de nuit un fantôme à lunettes, j'avoue ce qui m'ennuie, c'est qu'il me la vedette. Je voulais juste dire, Philippe, tu es toujours les seins.
Non, c'est fini, moi je suis. Ah ouais, maintenant faut que tu chantes, hein. Franchement, là, j'aime bien faire un peu de on est vraiment content que le festival se termine parce que 3 jours c'était énorme. Et 3 jours, alors au Chapeau Rouge, on a eu 137 personnes, 113 personnes, je veux dire. Et samedi, on a eu 135. Aujourd'hui, on faisait 50. Si on fait le calcul, le truc, c'est pas le monde qui nous intéresse, c'est l'esprit du festival. C'est la convivialité, le partage. Et vraiment cet échange qu'il y a entre les artistes et le public. Nous, on cherche que ça. Après, le reste, ce qui est important, c'est que vous avez passé une très, très bonne soirée. Voilà. Merci.